Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Cospio Studio, je suis Cospio et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le jeu The Talos Principle. Et ouais, je vous le fais en anglais cette fois. Dans l'épisode précédent, nous avions répondu à un questionnaire dans un PC, encore un PC, mais oui, qui est censé nous donner accès aux droits administrateurs, en tout cas si on a réussi à faire croire que nous étions humains, en tout cas une personne. Et donc, sans plus attendre, voyons voir ce qu'il en est. C'est marrant ce délire un peu grec avec des îles, je pense un peu à Atlantis. Petit délire si t'es englouti, le savoir, tout ça. Ah, une grille. Il faut une clé pour entrer. Ah, à mon avis, ça sent l'étoile. Bon, pour escalader le muret, franchement, on fait pas d'effort. Hein. Bon, il y a un trousseau de clé caché quelque part, mais je ne saurais pas dire où. Qu'est-ce que ça dit, ça? J'ignore ce qu'il y a à cet endroit, il semble que nul n'en sache davantage. Il n'y a rien d'autre à faire que d'avancer en notant tout ce que je trouve. Brebis. Brebis, il enquête, Brebis, c'est bien. Brebis se pose des bonnes questions. Bon, bah, allons faire les énigmes. On verra bien si on trouve quelque chose. Ah, un brouilleur. Brouilleur caché derrière un filtre, d'accord. On ne pourra pas le faire sortir de là. Mais on peut le faire brouiller quand même des choses. Il y a moyen de... Ouais. Voilà. Ça, on connaît ça, à force. Check. On peut brouiller tout là-bas. Ouais, nickel. Il y a quoi par là-bas? Rien. Je vérifie quand même. Hein. Tac. Ça, ici, c'est quoi? Jardin. Comme d'hab. Bon, bah, y'a pas l'air d'avoir de piège. On va récupérer notre petite pièce de Tetris. Pour la lettre A. Ah, puis à mon avis, on peut sortir par là. Ils ont dû ouvrir la grille, ouais. Ok. Parfait. Suivant. Ici même, y'a rien. Mais ici, y avait une énigme, elle est cassée. Le panneau est par terre. C'est étrange. Ce serait pas justement l'endroit où y avait le robot hologramme? Ah, si, carrément, hein. D'accord, en fait c'était un exercice. Alors, pour une pièce L. Je l'avais pas vu, ça me fait peur. Ça va pas la tête. Ah, mais il y en a partout. J'ai failli mourir là. Ah, mais c'est bien compliqué là, non? Wow. Récupère ça, moi. Non. T'approches pas. Wow. Eh B. Tiens, allez, hop, toi, je te paralyse. Tac. On va se mettre loin, comme ça, nickel. Ça, je peux récupérer le deuxième brouilleur. Ça, on connaît bien. Tac. Ah. Ah, mais non. Couché. Ah oui, d'accord, il va falloir qu'on fasse avec les mines, j'ai l'impression. D'accord, d'accord. Moi, ce que je veux, c'est passer là-bas, donc il faut que je mette les deux. Très bien. Moi. Mode furtif activé. Nickel, ça s'ouvre là. Ah, j'avais espoir, parce que là, le problème passe dans l'autre sens. Bon, mais il reste plus que l'étoile, je crois, on va vérifier. Ça, c'est fait. Bon, et bien il reste plus que cette porte, à mon avis, qui mène vers l'étoile. Il semble qu'il y a une étoile cachée. Et pour ça, il faut des clés. Et où sont-elles, les clés? Ah. Oui, hein. Je vois pas comment on peut ouvrir cette grille. Hein. J'ai fait tout le tour. Porte fermée avec clé. Il n'y a pas de clé. Je sais même pas quelle tronche ça a, et des clés dans le jeu-là. Si c'est posé au sol, ouais, c'est même pas la peine. Je trouverai jamais. La map est super grande, hein. On dirait pas comme ça, mais... Bon, j'ai toujours pas testé, c'est de voir si je pouvais rejoindre une autre île à la nage. J'ai un doute, hein, mais bon. Tribu furent les mots et les mots firent le monde. Je suis les mots. Les mots sont tout. Où les mots se terminent, le monde prend fin. Tu ne peux avancer en l'absence d'espace. Répète,
Au début furent les mots firent le monde. D'accord, j'ai l'impression qu'on est sur le bord de la map, hein, clairement, vu le message qu'on me donne. Hein. Je vais un poil plus loin, je suis mort. C'est ce qu'elle avait dit, la petite voix, la grosse voix. Ok, bon bah on va pas plus loin. Je me doutais bien que, hein. J'ai pas devoir explorer non plus toutes les îles si on n'a pas fini. Je sais que ce niveau-là, je l'ai fait un peu vite. Alors je me demande si... Wow, si la solution n'y serait pas cachée. Gentil la mine. Gentil. Non. On va essayer de la suivre. Hein. Mais nous ici. Une échelle. Je me semble pas avoir emprunté celle-là, si. Ça me fait sortir. À mon avis, il y a quelque chose dans ce niveau. Clairement, ça cache quelque chose, ça. Y'a quoi par là? Ah bah voilà! À quoi ça ressemble les clés? Eh ben, j'ai galéré pour les trouver celle-là. J'ai d'abord trouvé l'échelle qui est ici. Et ça m'a mis la puce à l'oreille comme quoi il y avait un truc bizarre. Eh oui! Attends, il faut que je retrouve la grille. Moi! Elle est là-bas. Grille en vue! Eh ben, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Check! Merveilleux! Un brouilleur. D'accord. Ah, donc l'étoile, elle n'est pas là encore. Oh, oh. C'est pour brouiller quoi, alors, ce brouilleur? J'ai rien vu à brouiller dans le coin, moi. Oula, je suis perdu. Bah, j'ai l'air fin, moi, avec mon brouilleur. Je sais même pas à quoi il me sert. Donc il doit bien avoir un portail caché quelque part, mais... En cherchant les clés, je suis même pas tombé dessus, quoi. C'est dingue. Ah bah voilà! C'était ici! Étoile trouvée! Ah, c'était bien caché quand même! C'était caché à ce truc là! Ok, je pensais franchement avoir déjà fait le tour de ce coin là, mais non. Non, 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 c'était ici. Mais très bien! Eh ben, c'est sur cette découverte qu'on va se laisser, les gens. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce, à commenter, partager, et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit bah, au prochain épisode! Allez, à toutes!